en avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Car il faut battre le gong. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Olive et Tam, ils sont venus pour gagner. Jamais vu ça. Ça alors, j'ai du mal à en croire mes yeux. Il a réussi à la mettre au fond. Je suis sûr que même moi, je me serais fait avoir sur ce tir. Qui aurait pu croire une chose pareille? En quelques secondes, il s'est relevé et a inscrit deux buts vraiment exceptionnels. Il est très fort. Il a retenu à la perfection les leçons de Roberto et il a su régler ce tir avec une précision diabolique. Je pense que s'il continue à jouer de cette manière, il ne pourra que gagner le match et accéder à la demi-finale. Il est vraiment fantastique, il s'est remis de sa blessure et a marqué deux fois. Je l'adore. Ouais, t'as oublié que t'avais mal à l'épaule. C'est l'autre qui me fait mal, je t'ai eu, hein. Je dois tout faire pour marquer deux buts le plus rapidement possible. Maintenant, nous devons appuyer sur l'accélérateur pour les écraser. Ouais. Je suis content de voir qu'Olivier a retrouvé ses marques et qu'il réussit à marquer des buts de loin.
Et moi, j'ai une frappe du pied droit qui lui est très largement supérieure. Tu sais, Marc, j'aimerais bien assister à la confrontation entre Liviathan et toi, le tigre. Pourquoi vous m'appelez le tigre? Je t'ai vu jouer les matchs de préqualification avec ton équipe, et là j'ai réalisé que tu avais toutes les qualités, l'agilité et la puissance d'un félin. C'est pour ça que je t'ai appelé le tigre. J'ai l'impression que tu n'apprécies pas ton surnom. À propos, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Adam Skyler, le rédacteur en chef du Totosport. Pour pouvoir nous comparer, il va falloir attendre qu'Oliviathan et son équipe se qualifient. Ah, parce que toi, tu es déjà certain d'arriver jusqu'à la finale? Ça ne fait aucun doute. Mon équipe est la plus forte de ce championnat. Vous verrez. La New Team est en train de réaliser un véritable exploit. Et l'égalisation de l'ensemble possible de l'autre côté, Irado n'a pas compris ce qui s'est passé. Et il semble accuser le coup. Hé, les gars, regardez! Il y a un changement dans le dispositif tactique de la Hirado. En effet, Hume vient de prendre place en attaque aux côtés de Sandy Winter. Peut-être est-ce la solution pour la Hirado. Mais c'est pas sa place. Pourquoi il fait ça? Oh, il veut nous impressionner en faisant ça. Il veut nous faire peur en passant avant-centre. Je suis obligé de réagir. Il a marqué 2 buts en quelques minutes et notre avance au score a fondu comme neige au soleil. Je dois en marquer un autre et rapidement. Je dois rester concentré si je veux être efficace. Le jeu reprend. Engagement pour la Hirado. Bien, on y va, Clifford. Tu sais ce qu'il te reste à faire. La New Team n'a pas encore vu tout ce que nous savons faire. Ils vont être très très surpris. L'engagement a été effectué par Winter et celui-ci se dirige rapidement vers les buts de la New Team alors qu'au centre du terrain, Hume reste imperturbable. Le ballon est toujours devant lui. Puisque tu ne te décides pas à bouger, c'est moi qui vais t'attaquer. Chip tente de tacler le capitaine de la Hirado mais celui-ci ne fait rien pour essayer de l'éviter. Vas-y, prends-lui la balle. Chip ne réussit pas à tacler le ballon qui est toujours en possession du géant de l'équipe de la Hirado. Quelle force de la nature! Il n'a même pas bougé sur la tentative de Chip. Je vous avais pourtant prévenu que ce n'était pas la peine d'essayer de m'attaquer. Je suis indestructible. Pendant ce temps, Winter est arrivé dans la surface de réparation, immédiatement marqué par Kramer. Avec Sandy, nous formons un tandem invincible. Nous allons leur montrer de quel bois on se chauffe. Hume se prépare à tirer. C'est bon, tu peux y aller. Winter vient de se démarquer. Hume a frappé tout en puissance vers Sandy Winter. N'y va pas, Alan, c'est un ballon à effet. Ils veulent nous refaire le même coup. Bien, Olivier, je resterai sur ma ligne de but. Viens avec moi, David. Nous devons empêcher Winter d'avoir la balle. Le ballon adressé par Hume est un ballon à effet qui revient sur Sandy Winter. Ce dernier est pris en chasse par 2 défenseurs de la New Team, Harper et Newman. Avec ce genre de surprise, Clifford et moi, nous sommes imbattables. Le ballon arrive sur Winter qui le reprend du pied droit. Le ballon est récupéré sans difficulté par le gardien de la New Team, bien placé sur sa ligne. Il l'a arrêté. C'est pas vrai. Notre tactique a échoué, mais c'est pas fini. Oh non. Notre gardien ne s'est pas fait avoir par votre balle à effet. Faudra trouver autre chose. T'inquiète pas, on va trouver ça, si tu peux y compter. Dégagement de Crocker, loin devant vers les attaquants de pointe. Bravo.
Le ballon arrive sur Olivier Hatton qui le contrôle et part immédiatement à l'assaut des buts adverses. Allez, vas-y, Olivier, tu peux en marquer un autre. Allez, en avant. Vas-y, mon héros. Bien vu, Olivier. Le meneur de jeu de la New Team poursuit l'offensive. Dribble d'Aton qui se libère de la pression de Brooks. Aton s'approche de la surface de réparation. Et maintenant, je dois réussir l'égalisation. Je dois l'en empêcher. Aton tire cette fois encore. Il essaie de lever le gardien adverse. Il faut qu'elle y aille cette fois-ci. Tout va bien, Clifford? Oh, ça va, c'est pas trop grave, dis. Pourquoi il rit? Ça va bien, vous inquiétez pas, les gars. Il en faut plus pour se débarrasser de moi. Et c'est pas un minable comme lui qui m'arrêtera. Au contraire, il m'a remotivé. Et il va bientôt comprendre que plus on s'oppose à moi, plus je me fâche. Et ça m'a toujours réussi. Je suis comme ça et va s'en apercevoir. Ma force augmente toujours lorsque j'ai en face de moi un adversaire qui me provoque comme celui-là. C'est exactement ce qui manquait à Clifford. Maintenant, il est remonté à bloc, ça se voit dans son regard. Il va décupler ses forces pour réussir à battre Piaton et il va le réduire en bouillie. Plus personne ne l'arrêtera. J'aimerais pas être à la place d'Aton. Il faut que je trouve un partenaire démarqué. Le ballon sorti en touche par l'intervention de Hume va être remis en jeu par Denver. Préparez-vous. Denver essaie de trouver un partenaire démarqué. Venez avec moi, il faut les empêcher de jouer. Les défenseurs de l'Airado viennent renforcer le milieu de terrain. Alors que Pierre Chili en profite pour s'échapper vers les buts adverses. Par ici, Andy, je pourrais te la remettre de la tête. Mais ce décarteur vient se placer à la limite de la surface de réparation, alors que Denver cherche à qui donner la balle. C'est bon, je suis en place, et toi, Ted? Prêt. Vous pouvez tout essayer, même à 10 attaquants, vous allez bien. Tout le monde est en place, aussi bien attaquant que défenseur. Ça y est, Denver prend son élan pour remettre le ballon au jeu. Ils sont tous marqués de près. Vas-y, Olivier, montre-leur. Alors que toute l'équipe de l'Airado s'attendait à intervenir, Denver a donné en retrait vers Olivier Hatton, seul au milieu du terrain. La surprise est totale à l'Airado. Laisse alors. Hatton se prépare, amortit la poitrine et contrôle le ballon. Oh.
Ah. Hatton se prépare à tirer au but alors qu'il est dans le rond central. Je réussirai à marquer même si j'ai mal à l'épaule et à la jambe. Je vais faire opposition avec mon corps comme Clifford tout à l'heure, même si je dois être blessé. Winter, viens sur Olivier Hatton. Attention! Hatton est prêt, il prend son élan pour frapper très fort ce ballon. Allez, vas-y, droit au but! Mais Winter est sur la trajectoire du ballon et il le prend sur l'estomac. La puissance du tir est telle qu'il tombe à la renverse. Le numéro 16 de l'équipe de la Hirado semble s'être blessé en essayant d'arrêter le tir d'Hatton. Winter, en faisant écran de son corps, a empêché le ballon d'aller vers les buts. Mais à quel prix? Il a fait preuve de beaucoup de courage. Ce tir était de trop. Il a réveillé la douleur à ma jambe. Je dois reprendre le ballon à tout prix. Bonjour. Dis-moi, Patty, est-ce que tu sais combien de tirs de ce genre il a essayé aujourd'hui? Je crois que c'était le quatrième. Mon Dieu, il ne m'écoute pas. Ça fait un bon bout de temps que je suis médecin. Et l'expérience que j'ai acquise me permet de te dire que tu dois arrêter tes tirs de loin. Ils fatiguent beaucoup ta jambe. Je connais bien les joueurs et si je te demandais d'arrêter, tu ne m'écouterais pas. Hein? C'est vrai, docteur, je ne pourrais pas. Ah, je m'en doutais. Mais il y a une chose que tu dois savoir absolument. Tu es jeune, mais si tu forces trop sur cette jambe, tu risques de ficher ta carrière par terre. Alors fais-moi la promesse de ne pas essayer plus de 3 tirs par rencontre, c'est promis. Je le promets. J'espère qu'il tiendra sa promesse. Il a un si bel avenir devant lui, ce petit. Il faut espérer. Le ballon est toujours dans le camp de l'Hirado. Olivier Hatton va très certainement essayer de le reprendre et de nous montrer une fois de plus sa puissance de tir. Allez, vas-y. Non, Olivier, n'essaie pas de tenter le diable, c'est trop dangereux. Pourvu qu'il tienne le coup. Il veut recommencer, mais c'est moi qui réussirai à l'en empêcher une fois de plus. Tu peux compter sur moi pour t'arrêter par n'importe quel moyen. Oh! Vas-y! Hatton va frapper! Hume a fait écran de son corps, mais la puissance du tir d'Hatton est telle que Hume est emporté par le ballon. Imaginez-vous quelle force il faut pour réussir à déplacer une montagne de muscles comme le capitaine de la Hirado. C'est la première fois que j'affronte un adversaire aussi fort que Olivier Hatton. Coup de théâtre, Olivier Hatton s'écroule à son tour. Le jeune espoir du football est épuisé par tant d'efforts. C'est la troisième fois qu'il arrête mon tir. Je n'ai plus la force de recommencer. Roberto! Le ballon est toujours en jeu et Hatton essaie de se relever. Je dois y arriver. Hume se relève à son tour. Ils ne m'arrêteront pas cette fois. Je suis certain d'y arriver. Roberto a raison. Il ne faut jamais abandonner. Les deux capitaines sont face à face. Ce match devient de plus en plus passionnant. On s'attendait à une victoire facile de la Hirado, mais c'était sans compter sur l'opiniâtreté d'Olivier Hatton qui tente encore d'égaliser. Hatton et Hume se sont lancés tous les deux dans une course effrénée pour la possession du ballon. Qui arrivera le premier? C'est exactement la même scène qui se rejoue sous nos yeux.
Hume tente de résister. Et c'est le but. Hume, malgré tous ses efforts, n'a pas pu résister au tir d'Aton et il s'est écroulé à l'intérieur de son propre but. C'est encore un but signé Olivier Aton qui remet les deux équipes à égalité sur le score de 3 partout. C'est le hat-trick parfait. Coup de chapeau pour Aton. 3 buts dans la même mi-temps. Ouais, bravo. Ça y est, on est à égalité. Il lui a fallu 4 tentatives, mais il a tout de même réussi. Bon sang, il a réussi à la mettre au fond. Aton semble très éprouvé par ses efforts successifs, mais il est certain que le capitaine de la New Team mérite les applaudissements du public. Et maintenant, il faut penser à gagner. Il est vraiment très fort. Ah, on est à égalité, mais nous ne sommes pas encore battus, tu peux y compter. Pour nous qualifier, il nous faut juste un but. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais Olivier, qu'est-ce qui se passe? Aton vient à nouveau de s'écrouler sur le terrain. Oh. Pauvre Olivier. Un but. Seulement un petit but. Le capitaine de la New Team reste à terre. Je ne sais pas s'il trouvera encore suffisamment d'énergie pour se relever. Toujours en forme.